Du coup, avec pirate, ça c'est cool. Dans tous les cas, Barov c'est cool, je pense. J'ai préparé vos serviteurs et Ok, tout le reste. on commence avec lui. Ce qui va nous donner la possibilité en cas de bête gagnée de gagner 3 points de vie à chaque tour. C'est pas mal. Les mechas sont pas encore là, non, ils arrivent le 22 avec les Uranes. Les deux arrivent en même temps le 22. En vrai, on a une bonne prog là pour BG. Puisqu'on a le Grand Prix qui aura lieu le premier week-end de juin. Avec un Open Qualifier le 27 mai. Vous aurez le lien demain dans la journée pour pouvoir vous inscrire. Mais là, notre semaine sur BG, on va se régaler parce que ça va être 22 sorties des mechas et Uran. Bah déjà dimanche, fin du rush. 22 le lundi, sortie des mechas et Uran. Ensuite une soirée BG, soit le lundi, soit le mardi. Ensuite jeudi, vendredi, on enchaîne avec. Alors, attends, on va prendre ça. Jeudi, vendredi, on enchaîne avec. Pardon, mercredi, jeudi, on enchaîne avec la qualif du top 16 du Rush qui donnera deux slots pour le GP avec les 16 meilleurs francophones. Attends, je vais me focus sur ce bet. Ouais. Et Eudora reste taverne 1. Bon, bah, a priori. Et ensuite, le week-end, vous avez la qualif si vous voulez jouer et les Lobby Legends de Liège si vous voulez regarder. Donc, vraiment, il y a genre 5 ou 6 events sur BG sur la semaine. On se régale. On va vraisemblablement vouloir up ici, enfin, à condition de gagner notre bet, mais je peux difficilement croire qu'il serait perdu. Normalement, c'est le tour où Vuni il est faible. Ah, mais après, attends, ça rush 3 là-bas. Il va avoir un serviteur. C'est un serviteur contre un serviteur en gros. Ouais, mais non, parce que lui il peut en avoir un deuxième s'il a eu son token. Bah, je sais pas, je vais miser Vuni, mais pas évident. Là-bas, il aura qu'un serviteur. Là-bas, il en aura peut-être deux. C'est pour ça que je mise sur Voon. Ok, a priori Voon a gagné. C'est quand même vraiment faible dans la méta. Je pense qu'on veut up 3. Et on se tape évidemment. Ça fait combien de fois? Faut compter hein, le nombre de fois aujourd'hui où je me suis tapé Voon sur les. Où je me suis tapé Voon sur les 4 gold. Donc le tour où il vient de faire son double. C'est arrivé quelques fois, hein, faites attention. Si vous êtes attentif, vous saurez que je me suis fait baiser quelques. Oh lui il a fait un rush, ça veut dire que. Ah, il a pas pu faire son pouvoir encore. Dora qui up là. Donc attendez, il a rush avec ça. Et il vient juste de faire deux achats là, du coup. Et il a pas pu HP. Hein. Pour moi, il est trop faible là. Il n'est jamais trop tard pour se reprendre. Et voilà. Ça, c'est cool, hein. Le Voon intuable, ça me fait plaisir. Bah, dis donc, ces champs de bataille.
Ça c'est quand même pas mal. Là, il a pu faire son HP. Et lui, il a fait quoi? Merde, je le vois pas. J'ai envie de croire en lui quand même là. Faut pas que ça finisse en autre boudin. J'espère que je me suis pas planté parce que en vrai, c'est un timing où ça ferait mal si c'est le cas. Ah fuck, de rien. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Alors, là c'est le tour où il va être un peu plus faible parce qu'il va garder une carte en main. Après bon, il avait un setup où il a donné... Oh, après il a perdu contre le Bran. Et au mou... Au mou avait l'air fort. Ah, au mou ça a l'air solide. Puis là maintenant, faut réussir à trouver une win-condition. Ta carte dans ta main est peut-être bug. Hein? Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Comment ça? Ah, elle pourrait ne pas me donner mon truc. Eh ben, vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs. Allez, déhanchez-vous. Oui, en effet, elle a pas de petit éclair. Elle va pas me le rendre. Coup dur. Ouais, mais du coup, ça va pas marcher avec ça. J'ai envie de faire des trucs avec ça. Donc là, c'est la douille, quoi, si je comprends bien. Putain, si j'avais su. Ouais, mais comment je devine, moi? Oh merde, j'ai rien gardé en main en plus. Et je sais pas sur qui bet. Bah génial, le tour était trop nul.
Ça m'a perturbé cette histoire de bug ou je sais pas trop quoi là. Bon, le Murloc va virer de toute façon. C'est dommage pour le plus 5 raté ce tour, mais en même temps j'avais pas envie de mettre mes golds pour. J'aurais dû garder le naga. Oui, j'aurais juste dû garder le naga qui donnait camouflage. Oh, monsieur Maracas. Oh. En vrai, il n'y a pas grand-chose que je vais faire ce tour de toute manière. Je fais des bêtes vraiment random hein, depuis tout à l'heure. J'ai misé sur Bran qui vient de Toulouse. Ouais, mais justement, je le sens bien. Il va faire son comeback. Je prends pas la pirate, non, j'ai une strat. Peut-être que ma strat pue, mais j'ai une strat. C'est l'important, c'est qu'il y en a une. On s'est un peu fait fracasse là par contre. Ah ouais, le truc golden là. Pas mis bien. Oui, je sais pas pourquoi j'ai misé sur ce bras, non. Il y avait aucune raison de le faire, évidemment. Ouah, ça c'est nul par contre. Hein. Merde, pourquoi je... Mon ordre est terrible. Très bien, je vois son potentiel. Si j'avais gagné de bête, j'aurais pas eu place en main pour la copie. Ah ouais? Putain, j'ai même pas fait gaffe à ça, je vous avoue. Mais oui, c'était calculé, c'était calculé. Oh. Tu voulais pas? Ouais, il faut peut-être prendre le T2 Naga. Je sais pas parce que j'aime bien quand même.
Je veux pas vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. J'ai envie de full troll cette game, moi. C'est la dernière, on peut se faire plaisir, non? La tenue de soirée est exigée. La tenue de soirée est exigée. Vous êtes vraiment incroyable. Pour l'instant, ça passe. Vous trouvez pas? On peut essayer de rendre ça doré après. Ou alors en faire deux. Ah mais non, attendez, parce que là... Virer ça du coup... De nos coffres à votre portefeuille. Alors attendez. Je vais pas bête parce que je crois que ça peut me foutre la merde. Oh, il y avait lui. Ah mais j'ai pas la place sur le board. Par contre, il y a ça. Bien sûr, vous êtes au sommet, qui d'autre que vous ? Faut sûrement virer eux maintenant, non ? Un jeu, il prend son taille lui, comme ça. Il y a toujours la place pour un Dracari, bah non, parce qu'en plus je crois que ça proc pas là. Attends, là dans un tour j'ai... Oh j'ai plein de maracas là dans un tour. Par contre lui je crois qu'il donne rien là. Oh non mais attendez, il faut prendre ça, c'est une dinguerie ça. Ah lui il donne que dans deux tours, on peut pas prendre ça. Pas possible. Je sais pas si on peut prendre ça hein. Celui-là, c'est un dur à cuire. Allez, déhanchez-vous. Roger,
veux pas vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. De nos coffres à votre portefeuille. 3 plus 1 gratuit. Vous voulez voir ce que vaut mon bon. Bien sûr que vous êtes au sommet, qui d'autre que vous. Bon, par contre, le placement, ouais, le placement à revoir le placement. Ah non, me tue pas, arrête. Oh putain, j'ai niaisé le placement. Ok, ok, on va soigner le placement. On va soigner le placement, tout va bien se passer. Oh putain, il m'a fait mal, le con. Alors, c'était comment ? Aussi palpitant qu'on le raconte ? Ça, ça peut être cool quand même. Je sais même pas si ça c'est si bien que ça en vrai. Ça fait pas tant de trucs que ça, hein. Mais ça c'est important par contre. Et il a bien comeback lui, hein. Après, ouah, c'est la fin je pense. Continuez comme ça. On veut la 2-5. Oh non, la 2-5, je pense que je la joue plus là. Elle sert à rien, Tissa. Chut. Je suis pas prêt à l'entendre, d'accord. Bah. Il leur arriverait. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ah, ils ont taille. Oh, Maracas. Ok. Je crois qu'il y ait de dynamiteur par contre. Bon, normalement, s'il a pas de dynamiteur, c'est bon. Après, il a eu les deux reborn, ça c'est chiant. Hehehehe.
Les maracas! C'est gros stat, gros body. Moi vouloir gros stat. Vous trouvez pas? On a vite trop de serviteurs, mais on n'a jamais trop d'or. Moi. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. D'où l'importance d'aller mettre l'héroïne. C'est une belle game ça. Oh là là. Oh là là, ce classique. Ce classique, ce classique. Bon, YouTube va encore me dire, ouais, t'es pas très bavard sur les vidéos. Alors YouTube, je tiens à vous le dire, ça fait 6 heures que je stream. Oui, au bout de 6 heures, je suis un peu moins bavard que quand je commence le live. C'est normal.